Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve dans la chambre de mon grand. Donc je pense que vous voyez ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va réorganiser, ranger, trier les jouets de mes enfants, les deux. Donc je vous dis pas c'est le grand bazar. Donc, ça faisait un moment que je voulais ranger, réorganiser, mais j'arrivais pas à toucher. Franchement, j'arrivais pas à mettre ma main dans ces jouets. Donc, aujourd'hui, ça y est, j'ai décidé. Donc, j'ai décidé de réorganiser, ranger. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'on va faire ensemble. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc, sans trop tarder, on va commencer. Donc, je commence par vous montrer l'état de la chambre de mon grand. Donc, franchement, c'est la catastrophe, c'est le grand bazar. En fait, ce qui s'est passé, il y a eu des enfants qui sont venus à la maison. Du coup, c'est comme ça, c'est pour ça que vous voyez que c'est le grand bazar. Donc, depuis, j'ai pas eu le temps de ranger, de réorganiser. Donc, c'est pour ça que vous voyez, il y a tout et n'importe quoi. Je ne vous dis pas, c'est tout mélangé, mais on va essayer de faire ensemble. Donc, pour me faciliter la tâche, j'ai pris des paniers avec moi, comme ça va m'aider à réorganiser, donc à trier, à réorganiser tout ce qui est joué. Et il y a une autre bassine que je mets tout ce qui va à la poubelle. Donc c'est comme ça que je me suis organisée pour faire le rangement, la réorganisation de la chambre de mon grand. Donc franchement, ce rangement-là, ça m'a fait du bien. En fait, je suis devenue comme un enfant. Je voyais les jouets, je m'amusais avec, je jouais moi aussi. Donc le rangement, en fait, c'était pas compliqué pour moi, en fait. Là, je suis en train de jouer avec le ballon. Donc, ce ballon-là, je l'ai acheté quand j'étais enceinte de mon deuxième. Donc, il me plaisait bien. Du coup, je l'ai pris. Je jouais avec. Du coup, c'est un ballon anti-stress. Donc, je le prenais, je le pinçais. Et là, en fait, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis restée un moment avec ce ballon. J'ai joué avec, je le lançais, je faisais n'importe quoi avec. Ah non, franchement, le rangement des jeux, ça m'a fait du bien. On dirait que j'étais un enfant. C'est fou quand même, hein? Allez, on arrête de jouer, on retourne aux choses sérieuses. Donc là, je continue le rangement. Dans le rangement, en fait, je retrouve des choses. Là, je viens de voir, il y avait un collant à moi qui était là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Voilà. Mais mon collant, je l'ai retrouvé dans les jouets de mon grand. Donc, non, pas seulement de mon grand, dans les jouets des enfants. Donc, comme quoi, il y avait besoin de faire un rangement. Donc, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Grace, je suis maman de deux garçons, je travaille à 100%. Donc sur la chaîne, je partage avec vous beaucoup de choses, la cuisine, motivation ménage, retour de course, un peu de décoration et je partage plein de choses. Donc si tout ce que je partage vous plaît, donc n'hésitez pas à vous abonner,
à liker mes vidéos, à commenter, à partager. Donc, j'aimerais remercier aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Franchement, merci beaucoup. Grâce à vous, ma chaîne continue à grandir. Et je suis arrivée à 500 abonnés, 500 et quelques. Donc là, je suis très très contente et je vous invite à vous abonner et à partager. Hein. Donc c'est ça qui aide ma chaîne à grandir et qui aide aussi à ma chaîne à être visible. Donc là, j'ai fini avec le tri des jouets. Du coup, je vais attaquer, je vais faire le lit de mon grand. Donc là, je suis en train de récupérer les chaussures que j'ai vues de mon petit. Donc, je vais les ranger. Donc, maintenant, je vais venir passer un coup de lingette sur les jouets, sur les meubles. Parce qu'il y en avait besoin, parce qu'il y avait beaucoup de poussière. Donc là, je vais venir passer un coup d'aspirateur
Parce qu'il y a aussi, il y en avait besoin, le sol, et, il était trop sale. Il fallait voir comment mes pieds, ils étaient trop sales. Donc là, mon petit, je lui fais un petit garage. Il aime bien. Donc, j'ai essayé de ranger comme ça. Donc, comme ça lui fait plaisir. Là, j'ai fini de passer l'aspirateur. Donc, ce que je vais faire, je vais assembler le tapis et comme ça, je vais le poser à côté du meuble joué. Organisation, le tri aussi, donc ça fait du bien. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait une case qui manquait. Donc si j'avais pas fait le rangement ou la réorganisation, franchement, j'allais pas voir. Donc là, je vous montre le résultat final. Donc là, je vous montre comment j'ai réorganisé. Donc là, dans le panier, j'ai mis tout ce qui est joué de mon petit. Et là, dans le panier voiture, donc j'ai mis tout ce qui est petite voiture. Donc, en face du meuble joué, j'ai mis ce tapis. Donc là, je vous montre vite fait comment j'ai réorganisé son meuble. Donc là, c'est le tiroir que j'ai pas touché, hein. J'ai pas touché. C'est là où on met les crayons pour faire le coloriage et tout. Donc en bas, j'ai mis tout ce qui est puzzle. Et dans la partie du milieu, j'ai mis en haut, j'ai mis des briques et en bas, j'ai mis tout ce qui est ballon et petite balle. Donc, de l'autre côté, premier tiroir, j'ai mis tout ce qui est qui sert dans la cuisine et tout ce qui est vaisselle. Et en bas, j'ai mis les livres et interactifs.
En gros, voilà comment j'ai réorganisé le meuble. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, commentez, likez et partagez. Merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.